Bonjour à tous. Alors, vous me voyez le matin, mais nous sommes le soir. Et aujourd'hui, donc, vous allez voir ma routine démaquillage du soir et donc préparation au coucher. Donc, je vais me démaquiller, évidemment, et puis mettre la crème hydratante que je mets avant de dormir la plupart du temps. Il y a des jours où j'en mets pas, des jours où j'en mets. J'en mets quand j'y pense et quand, voilà, j'ai pas oublié juste avant de me coucher, parce que je ne ressens pas forcément le besoin, étant donné que je mets quand même une crème hydratante tous les matins. Voilà, donc moi le démaquillant que j'utilise pour mes yeux, c'est celui-ci, mais je vous l'ai déjà présenté plein de fois sur ma chaîne. Alors, moi j'ai des grands cotons comme ça, donc en général je le coupe en deux, ça me fait deux cotons. Et voilà. Une fois mes deux cotons imbibés de démaquillant, je les passe évidemment sur mes yeux. Ce démaquillant est tellement génial que vous n'avez pas besoin de presser 15 fois. Et même si je mets beaucoup de mascara, c'est ça qui est cool. Donc la routine du soir, elle est quand même bien plus rapide que celle du matin. Et ensuite, pour le visage, j'utilise donc toujours un gros ton, cette fois le grand entièrement. Et donc la lotion tonique fraîcheur de chez Nivea. Parce que non seulement j'adore l'odeur, et puis en plus elle est vraiment très efficace et très fraîche. Et j'utilise moi celle pour peau normale à mixte. Voilà, et donc je passe sur mon visage pour enlever évidemment le fond de teint. Avant, je me servais d'une lingette de bébé avant cette opération-là, mais maintenant j'en ai plus besoin. Sûrement parce que je sais pas, je dois mettre moins de produits qu'avant. Ou... En tout cas, ça me démaquille absolument parfaitement parce que le lendemain matin, j'ai plus rien sur le coton que j'utilise pour me laver le visage. Donc c'est parfait. Voilà. Et comme crème pour le visage, j'utilise la crème prodigieuse de chez Nuxe. Qui arrive en fin de vie. Donc, cette dose suffit largement pour le visage. Et voilà, donc pas besoin d'autre chose. Je suis fin prête à aller me coucher. Donc je vous souhaite à vous une très bonne journée et puis à demain. Gros bisous!